De revenir aux sources, de revenir en fait à ce quotidien, à ce qui nous réveille un petit peu notre lumière, notre amour et ce qui fait le vivant en fait quoi. Donc prochainement, vous reverrez un petit peu plus de la vie et du cheminement. Puis je risque de vous emmener en balade avec moi aussi. J'espère que ça te plaira. C'est quand même assez féerique.
va pas se mentir, c'est un filtre qui est là. Ça me donne bonne mine. Je suis crevée. C'est samedi soir, je suis en train de... j'ai fini de ranger mon atelier, je suis contente parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas investi et que je le laissais un petit peu aller, on va s'en dire. Et là, tu vois, j'avais envie de te partager un petit peu mon mood. Je suis contente de refaire des petites vidéos, de partager aussi avec toi ces petits moments. Ça me fait du bien, j'ai besoin de me reconnecter aussi à ce qui fait l'essence même de ma passion et ces petits moments, ça m'avait manqué. Et là, en fait, j'avais envie de te partager ce petit mood créatif. Je suis partie sur un Inktober cette année et j'avais envie de partir sur la lumière et la magie. Donc là, c'est ma deuxième semaine où je vais faire potion et enchantement. Donc... en fait je suis comblée comme tu as pu le voir. J'ai eu la joie aussi d'illustrer pour l'agenda de Jill, donc c'était magique. Magique, c'est un accomplissement pour un illustrateur de pouvoir mettre en visuel pour d'autres personnes, et d'autant plus quand tu sais qu'elles ont une célébrité, donc tu réalises un rêve, donc c'est magique. Et c'est tellement une joie parce que j'ai pu la rencontrer et puis j'ai pu échanger, et c'est tellement une belle âme en fait. Donc je suis vraiment ravie que la vie ait pu m'offrir cette opportunité là. Et on va pas se mentir, forcément, ça m'a inspiré mon Inktober. J'avais envie de pas faire un truc forcément dark, creepy. J'avais plutôt envie de mettre en lumière ce mois d'octobre, ces couleurs automnales, finalement, cette chaleur qui s'est dégagée pour moi. C'est mon avis en fait. Octobre est tellement un joli mois où tu vois rougir, c'est poétique, les feuilles du coup, et que j'avais envie de mettre en lumière et de mettre en osmose ce que j'avais vécu dans mon cœur de sorcière. Et du coup ça m'a donné en fait cet élan pour mon Inktober de Light and Magic sur mon Instagram. Et donc du coup voilà, alors vu que j'ai un planning ultra chargé, dessiner tous les jours c'était un peu compliqué ces temps-ci, donc j'avais envie de me faire un challenge beaucoup plus léger et moins embêtant. Donc chaque semaine un thème. Du coup mon Inktober, eh bien, il est parti sur potions et enchantement. C'est ma deuxième semaine. Je suis fière de moi. C'est une thématique pas trop lourde parce que je dessine pas forcément tous les jours, parce que j'ai tellement d'autres projets en fait sur le feu que ça me permet de pouvoir jouer avec d'autres artistes et puis aussi peut-être inspirer d'autres personnes à faire de même. C'est la première fois que je fais un Inktober, je suis contente. J'osais jamais. Et là je suis contente. Il y a des choses qui bougent en fait. Je sais pas si toi aussi ça te fait ça. Il y a des moments en fait où c'est compliqué. Et tu crois que tu n'arrives pas à avancer. Et puis à un moment donné tu retrouves une puissance, une lumière. Et du coup tout s'agite, tout se remet en place. Et puis hop tu t'actives. Là en fait je suis un peu dans cette mouvance. Et je reprends un peu du feu, du pouvoir. Et ça fait du bien en fait. Ça fait un petit moment où je ne m'étais pas sentie comme ça. Alors peut-être que je te mettrai des illustrations là. Je sais pas. Pour te montrer un petit peu le truc. Et puis, puis j'en profite, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à Instagram, fais ta curieuse, fais ton curieux. Merci aussi pour les soutiens aussi, ça fait plaisir. Donc on le dit jamais assez, merci à ces personnes qui te sourient, qui te soutiennent, qui te donnent des mots gentils. C'est l'occasion. Merci. Bon, je retourne à mon petit dessin. On se dit à plus tard. Et puis, passionne-toi pour les choses qui te font du bien. Thank you.
c'était ça, regardez. Je faisais l'andouille à côté de mon petit arbuste. Et regardez. C'est beau. Désolée de vous déranger, les filles. Allez, miam miam. Ouais, je suis désolée les copains. Je suis partie sur autre chose. Dites bonjour à YouTube. Dites bonjour à YouTube. Alors voici Titus. Et voici Virus. Bien accompagné. Oh, oui. Bon, je suis contente. J'ai mis mes petites plantes et je suis vraiment satisfaite de leur venue. Regarde-moi ça comme c'est trop beau. Je ne me rappelle plus du nom. Mais j'ai adapté ces plantes-là parce que forcément, mon problème qui se passe, eh bien, je suis dans un atelier où il y a très peu de lumière. Alors certes, j'ai une petite fenêtre. Un peu de luminothérapie ne fait pas de mal, mais en fait il va sans dire que toutes mes plantes j'ai dû les monter à l'étage parce que forcément elles n'appréciaient pas le peu de soleil qu'il y avait. Et là j'ai étudié un petit peu avant d'en acheter et prendre en fait des plantes qui pourront s'adapter à mon lieu. Voilà, je suis satisfaite, ça fait du bien.